Quoi qu'on peut en mettre un petit peu. Non, on aime le calme ici et la volupté. Oh, ça, c'est du Aragon. Non, c'est du pervers. Jacques Pervers. J'ai jamais connu ça, ce gars-là, moi. Là. Prévert, oui, mais pas pervers. Ça, c'est son beau-frère. Son beau-frère était tellement jaloux. Et monsieur, ça a été dur à lancer, ça, là. Tellement jaloux de son Jacques Prévert qu'il s'est dit, hey, boy, là, je change de nom. Je changerai pas de sexe encore. On va voir si ça peut se propager dans une autre insignifiance que mon ami Jacques. Et j'écrirai des termes éloquents de poésie pour les assoiffer de mots. Oh mon Dieu! Comme le mentionnait Jim Morrison. J'ai mal à la gorge déjà en partant. Heureusement, madame, on peut pas faire de publicité, non. J'ai mon sirop maison. Oh, comment ça s'appelle? Docteur Guérito. Docteur Guérito. C'est le docteur Guérito qui a un remède à tout. C'est le docteur Guérito qui a un remède à tout. Ah, c'est bon. Parce que moi, chez nous, c'est pas la même... excusez-moi, là, c'est pas les mêmes platines analogiques. Les pitons ne sont pas à bonne place. Chez nous, ici, sont trop synchronisés. Je les aime tellement que je pense que je vais m'en aller avec le matériel. Oh! Matériel flottant. Non, en comptabilité, c'est quoi? C'est matériel roulant. Ça me rappelle des moments de mon enfance. J'ai déjà été adulte avant d'être enfant, moi. Mais j'ai perdu des étapes parce que ils m'ont dit « Reynald! » Parce que je m'appelle Reynald en passant. Reynald Gagné, Errance Canadienne, CKRL. Le jeudi, de 23h58 jusqu'à 2h05, 2h06. Je ne peux pas aller plus loin de 2h06 parce que là, il y a la police qui me dit « Hey, Reynald! Reynald, mon petit Reynald! » Oui, monsieur la police. Reynald, on te dit, tu rentres dans un cadre de 2 heures. OK, si je dépasse. Tu peux pas dépasser. C'est comme la gouache, là. Si tu vas plus loin, tu vas t'acheter partout. OK. Alors, tu dois t'arrêter à 2 heures pile. 2h03. 2h03, OK. 2h04 maximum. Sinon, on te coupe. Ah, mon Dieu, pas de la censure. Non, ici, il n'y a pas de censure. Mais on coupe pour laisser la place à d'autres. Il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire. Eh, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, ma voix va devenir de plus en plus radiophonique, vous allez voir. Enfin, ça va ressembler à Mac Doug Vachon. Non, c'est pas vrai. Quoi qu'on ne sait pas. Je vais sauter en bas du troisième câble. Non, c'est pas en bas, ça serait moins en haut. Eh, c'est vrai, excuse-moi, moi, la lutte, là, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. C'est comme le hockey. Là. Je ne connais plus aucun joueur de hockey existant. Là. Si vous me demandez, appelez-moi et me demandez 3 joueurs des Nordiques aujourd'hui, je ne sais même plus. Ah, j'ai resté au Goulet, Stachny, Peter, Anton, puis Franten. Franten? Ah oui, du coup. Non, c'est quoi les. Anton! Bichiton et Primton. Non. non, je me recueille. Là. Stachny, il y a 3 Stachny, les 3 frères. Vous le savez, vous, hein? Bravo! Bravo, c'est mieux que moi. Comme le mentionnait Jim Morrison, Anton, Peter, puis Anton. Ah, non, j'ai dit Anton. Anton, Quentin, Spinton, Awenton, Canton, Stachny. Les frères Stachny, et le trio Stachny. Alors, mentionnait Jim Morrison, Errance Canadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Les gens vont m'appeler pour me dire, hey, voyons donc, mon petit champion. Ton cerveau a capté l'air froid. Moi, t'es dire, t'es 3 Stachny, moi, là. OK, appelez-moi après le micro, puis je les divulguerai plus tard. On va faire une suite, un peu comme le travail à la chaîne. Là. Un mot amène un autre mot, là. Mais là, c'est des idées. Si vous les connaissez, là, prenez ça en note sur une feuille, parce que vous pouvez l'oublier. Parce que notre société souffre d'oubliettes aiguës. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé depuis 22 minutes. Oh ouais! Librement inspiré d'une citation de mon amie Virginia Woolf. Mon amie parce qu'elle ne me connaît pas, sinon elle ne voudrait pas que j'attribue ce terme-là à cette dame des plus charmantes et exceptionnelles. L'Errance Canadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, parce que vous pouvez nous voir sur Internet, mais pas là maintenant. Là. Laissez-moi 2-3 minutes que je monte le cheval sans la bélide. Hey, la première fois que j'ai monté un pur sang, là, j'ai voulu savoir si c'était vrai, là, tu sais, ça avait l'air un peu d'un poney. C'était pas très crédible, ce cheval-là, là. Il faisait, ah ouais, monte. Hey, wow, ça parle pas un cheval, là, moi, là. Hey, même si c'est 3h15 du matin, dans les grands froids du Québec, je
Je sais reconnaître un poney de charlatan et sans doute vous êtes un charlatan. Là, il m'a dit, mais non, c'est en bois, ça, en bois. Et moi, je veux le vrai cheval en chair, en os, puis en... Ben, c'est Jean-Pierre Ferland, il est pas libre actuellement. Non, c'est pas Jean-Pierre que je veux, moi, là, c'est le cheval. Je sais qu'il était un grand amoureux de pur sang. Moi, j'ai un pur 300%, pas juste 100, là. 300%. Si vous pouvez avoir une couleur, là, ce serait... j'aime bien, moi, l'invisible. C'est une couleur, l'invisible? Ben, écoute, à partir de 2014, il y a des artistes qui vont se pencher sur ce cas-là. Ce cas-là, ben, ce cas-là que tu viens de nous exploiter en plein visage radiophonique. Oh, mon Dieu. Ça fait mal. Ah, le visage radiophonique, là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme lorsque je m'étire le visage pour avoir l'air plus jeune. On dirait que j'ai pas l'air plus jeune, mais que j'ai l'air plusieurs. Oh, mon Dieu. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que... On va essayer de faire le en cheval. C'est pas facile. Il faut déjà mettre la liste. C'est pas une liste, c'est quoi? C'est un tramway. Mais non, nommer désir. Non, mais le cordage. Tu dois placer le cordage. C'est pas facile, ça. C'est en cuir. Le cheval aime ça, il paraît. Oh, mon Dieu. Il s'agite. Tu dis, viens, voyons, chevaux. Voyons, chevaux. Mais là, tu dis, ben non, c'est un cheval. Cette nuit, ce sera des chevaux. Mais ce sera le même, mais des visions. Parce que c'est un multiple, de multiples visages, ce genre de quadripède-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le dire pas grand-chose, moi-même. J'essaye de chercher le mot, mais il court tout le temps. Pas facile, lorsqu'on marche pas très, très rapidement. Là. Moi, je fais de la marche rapide, mais lente. Pour certains, c'est très, très... c'est tortueux, qui vient de la tortue, mais enfin... Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai tenté de faire du cheval. Dû à la chanson de Jacques Brel, quand j'étais cheval, à l'Olympia, lorsqu'il a ouvert l'Olympia. Ouais, mais il a frappé à la porte, là. Hey, c'est Jacques Brel! La porte est barrée! Tout est clair, hein? Ça fonctionne pas! Puis, oh, Jacques, rentre, là, les gens t'attendent. Il y a 2500 personnes qui sont prêtes à tirer leur chaise comme Gilbert Bécaud. Vas-y, viens-t'en, on t'aime! Ah, ils vont misser avant les spectacles. Comme moi, là, avant mon émission de radio. Ah, c'est la console est merveilleuse. OK, arrête ça. Aujourd'hui, le mardi 31 décembre 2013, adieu 2012. Non, c'est adieu 2013, salut 2014. Ouais, j'ai oublié de faire la transition au crayon feutre. C'est pour ça que... Nous vous présentons plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Imaginez-vous devant votre feu de foyer, là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous avez oublié d'acheter votre décodeur, mais c'est pas grave, vous avez le temps. Donc, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Ben oui, je cache la caméra, excusez-moi. Bref, apaisons la dure à la radio, la caméra, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir tantôt sur Internet. Il n'y a pas de tricherie ici, il y a un seul personnage et c'est moi. Madame, saviez-vous que j'étais seul? Êtes-vous bien en direct, M. Grenier? Oui, je suis très en direct. Mais même, ils m'ont dit, on t'a pas placé en direct, on t'a placé avant le temps. Hey, en parlant d'avant le temps, j'avais une introduction à vous faire, mais il est trop tard. Mais peu importe. Confions la boussole aux gestionnaires. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour des artistes suivants. Je vais vous les nommer, là, c'est le temps. Prenez des notes. Fifi Churchill, ça c'est celle qu'on va rencontrer dans quelques minutes. Bertrand Burgala. Chanteur incroyable, arrangeur pour plusieurs artistes, dont Heinzheisen de Nobotten, groupe français, non, c'est allemand. Brad Scott, notre ami Brad Scott qui a travaillé avec Jacques Higelin, mais avant tout Arthur Ashe, et qui a fait Cavalier seul. Et Cavalier seul, ça, c'est comme le cheval de tantôt. On a de la fuite dans les idées, nous autres. Sexy Sushi, ça, c'est intéressant, Sexy Sushi. Et Zaza Fournier, la belle Zaza Fournier, et nous allons terminer avec... La flamboyante et la fille ensoleillée. Comment? Ensoleillée! OK. Criez pas après moi, vous, là. M'a raccroché la radio. Victoria Bedos. La fille de Guy Bedos. Hey, on l'a eu. On l'a eu en direct, on l'a enregistré, mais on l'a rencontré. C'est merveilleux. Ça, c'est entre 4 et 6. Si vous êtes encore présent dans l'absence, là. Ce sera nous. Alors, écoutez, place à l'émission actuelle et place à la musique et place à l'élan rénadien, comme je le disais tout à l'heure, en avant, la zizek. Je ne sais même pas si c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est très bon.
Ah, c'est tellement très bon. Ah oui. CKRL. Cultive tes goûts.